penses que je vais te plaire? Edemia, tout l'argent que maman a dépensé pour tes études depuis l'université, malgré tout ça, tu es mort. Dis-moi, tout l'argent que maman a dépensé pour toi depuis l'université, c'est quoi son importance maintenant? C'est quoi son importance? Parce que tu es mort. La première fois dans ma vie que j'avais expérimenté Idjumain, c'était toi et moi. Nous sommes nés ensemble. Tout le monde qui te voyait, il croyait que c'était moi qui l'a vu. Tu es mort. Je ne vais pas pleurer. Moi, suis-je fou? Si seulement on savait que malgré toutes les dépenses qu'on allait faire pour toi, tu vas mourir. C'est moi qui devrais aller à l'université à ta place. Maintenant dis-moi, tout ce que tu as appris à l'université, tu ne t'en es même pas servi. Tu es mort. Toutefois, mettons tout au clair. Comme tu es mort là, rassure-toi de partir dans les camps de Dieu. Si je venais au paradis et que je t'ai cherché, je vais créer des problèmes entre nous deux. Toutefois, je vais commencer là où tu t'étais arrêté. Va-t'en. Que le Seigneur t'accepte. Au nom de Jésus. Oh. Akaraka, mon fils. Akaraka, tu te crois le seul jumeau. Tu veux te tuer. Tu sais que t'es fils unique maintenant. Tu es mon seul enfant. Qu'est-ce que je fais? Hein? Oublie-le, s'il te plaît. Hein? Je sais que c'était ton seul jumeau. Mais si tu te tues, j'aurai des ennuis. Tu es le seul espoir qui me reste. Maman, n'est-ce pas, tu disais que moi et mon frère, nous sommes un? Oui. Je sais. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Je vais commencer là où il s'était arrêté. Hein? Maman, laisse-moi. Mais attends, Akaraka. La première bouteille vient de finir. Oui, la première. Mais ce n'est rien. Mais si jamais j'arrive à 3 bouteilles... je vous dirai l'histoire de ma vie. Si vous le doutez, savez-vous comment mon père avait toigné ma mère? Oui, ma mère. Regardez-vous les idiots. Je suis en train de vous dire, vous me regardez. C'est comme ça que vous êtes ignorant, vous ne savez quoi faire avec la femme. Mais vous savez mon père, vous savez mon père est un expert dans toutes ces affaires. Vous savez, il espère. Je vous le dis, c'est vrai. Ha! Je vous dis la vérité. Mais mon père ne va pas me contredire dans tout ce que j'ai dit. Et c'est ce qui est vrai. Hein? C'est mes frères et sœurs. Et à ce moment-là, quand moi je revenais de l'école, je les voyais toujours. Mon père faisait que suivre ma mère en sifflant. Humana. Et j'attrapais toujours ces gens. Attrapant mon père, attrapant ma mère. C'est comme si tu as déjà surpris ton père et ta mère. C'est comme si, d'ailleurs, tu es sourd. J'ai dit que je les attrape toujours. Et toi, tu me dis, c'est comme si. C'est encore Ogolo, comme si. Faites attention. Avec ta grosse tête. Faites attention. Oh, je suis le grand. Tokolo, s'il te plaît, ajoute la bière. Nos bières ont déjà fini. Pourquoi veux-tu qu'on te la demande avant d'ajouter? Pardon, ajoute la bière. Ajoute, regarde la table. Elle est vide, s'il te plaît. Tu sais, ces messieurs, juste quand je soulève ma main, tu me demandes de commander. C'est tout ce que moi j'aime en toi. La communauté internationale avait contribué l'argent et avait envoyé aux gens au village par-ci, par-là. Et tu veux toujours que je puisse contribuer à ce que tu vas mettre dans ta bouche là. Regarde comme tu devais quand il s'agit de boire. Pas de problème. Amenez-moi une seulement. Une seule. Seulement. Ah, Okoro. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Tu es seul ici? Non, là c'est une bonne question. Nous sommes trois. Mais pourquoi tu dis à Madame Chaziz qu'elle apporte la bière seulement pour toi? Je veux dire, nous n'avons pas de bouche. Nous, on ne mérite pas de boire. Comme tu veux parler, continue à parler. Et on pourra bien te voler cette bouche. Merci. Jama Chachi Chachi. Okori Kori. Chachi Chi. Inimi Nimi Ya. Hey. Aro Aro. Chachi, c'est notre argent. Nous devons vraiment les dépenser. Bien. Ah, donne l'argent. Ah, nene. Yemoko, yemoko. Okoro, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien du tout. Je vais d'un côté à l'autre. Mes amis, c'est pas pour vous. Et que dites-vous? Alors nous? Étions-nous venus ensemble? Étions-nous venus ensemble? Okoro, tu vois ce que tu fais? Tu le fais pas bien. Je vais vous donner une. Donne-leur une à chacun. Donne-leur une à chacun. C'est comme ça que ça se fait. Okoro, je suis en train de vous dire. Sais-tu pourquoi je t'aime? C'est juste parce que tu es vraiment cool. Mais il est ici. Et l'autre est là-bas. Hey! Et tu vois pour côté, Kabo Gay Ao. Et Ikezi est vraiment à terre. Il va tout finir. Ok, bien. Laissez-moi continuer avec mon histoire. En effet, je n'ai même pas fini avec l'histoire de mon père. Et ma mère, je les ai toujours attrapés. Avez-vous compris? J'ai encore beaucoup de temps avec moi. Ifa bo karibu manya. Hey. People, we go bawara hoso. This kind of people, we go bawara hoso. Yeah. Dike. Vous savez pour que j'arrête complètement avec la bière, hein? Il faudra seulement que Dieu puisse me le dire lui-même. Si c'est toi, que la foudre s'abatte sur toi. Okoro, si tu n'étais pas mon ami. Si tu n'étais pas mon ami, là, j'allais te donner une très bonne gifle. Tu vas donner une très bonne gifle à ton papa. Ça, c'est quel genre d'insulte, non? Mais qui insulte qui? Regarde-toi, regarde la façon dont tu oses me parler. Toutefois, je sais ce qui a causé ça. Hein? Arrête de parler. Tu discutes avec Kyo. Écoute-moi, si jamais tu osais demander seulement une autre bière, tu la paieras toi-même. Et là, nous saurons qui insulte qui. C'est seulement parce que tu m'as acheté cette bière que j'ai même le moyen d'acheter tout un casier que tu as eu le courage d'ouvrir ta grosse bouche là pour me parler. Ce n'est pas ta faute. Ike, je vous avais acheté des boissons. Et je ne suis pas en train de parler du présent. Je suis en train de parler du passé. Tu ne sais plus différencier le présent du passé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne connais pas d'erreur, attention. Mais ne t'en fais pas. Okoro, quel genre d'erreur commets-tu? Je ne commets aucune erreur. Abandonne celle-là. Parce que si c'était seulement une fille qui parlait comme tu le fais. Tu connais la mouche. Hein? Je te vois comme une mouche qui ne fait que déambuler. Ne sachant où aller. Ce mec t'appelle comme ça. Ne t'inquiète pas, suis-je pas ton ami? Justice, viens. Je ne commets pas d'erreur. Ne vous en faites pas. Justice. Okoro t'a appelé pour que tu... Tu puisses nous ajouter encore des bières. Quand tu vas nous servir, hein, à son tour. Avant même de le servir, rassure-toi que sa poche est pleine d'argent. Parce qu'il n'a rien du tout. Je ne te comprends pas, Okoro. De qui parles-tu? Comment veux-tu me comprendre? Suis-je ABC ou mathématicien? Laisse-moi te dire que quand tu viens faire la ronde ici, serre-le beaucoup. Tu vas le regretter. Il n'a rien dans sa poche. Il n'a aucun frère dans sa poche. Il n'a rien du tout. Si tu veux, c'est ton problème. Moi, je suis venu qu'avec Ike. Je vais payer pour Ike. 1000 Neiras. Bien, très bien. Ike va payer pour lui-même. Non, Okoro. Okoro, ne fais pas ça. On était en train de blaguer, non? Mais je suis en train de blaguer. Moi aussi, je suis en train de blaguer. Raison pour laquelle j'ai dit je vais pas payer pour toi, c'est ça. Okoro, je suis ton ami. Oh. Je suis ton ennemi. Tu as dit 1000. 1000 Neiras. Ok, attends. Ike va payer pour lui-même. Comme ça, tu ne referas plus de bêtises. À la prochaine, quand je vais parler, tu vas te taire. Tu peux pas me faire ça. Toi aussi, vas-tu parler quand je parle? Mba. Ok, c'est bien. Ne parle pas. Okoro. C'est ça. Dieu va te bénir. Amen. Okoro, mais ça n'est pas bien. Tu es mon ami. Quand je vais parler. Je suis ton ami, Okoro. Oui, je suis ton ami. Mais tu me dois du respect. Quand quelqu'un t'achète la bière, il faut le respecter. N'est-ce pas? Trop parler, peut tuer. Amazi? Tu vois la façon dont celui-ci me vante. Il me respecte. Moi j'ai crié.
crie à mon nom. Oui, vas-y. Okoro, Okoro. Okoro, Okoro. Okoro, Nia. J'aime ça. N'arrête pas. Okoro, Okoro, s'il te plaît, ne fais pas ça. Hé Okoro. Okoro. Hey. Vous a-t-il remis l'argent? Hein? Ok, donnez-moi mon argent. Je ne veux pas de problèmes. J'évite aussi les problèmes. Donnez-moi seulement mon argent. Mon argent. Ok. Lorsque je vais me lever pour quitter ici, garde mes amis. Regardez-moi celui-ci. C'est à ce moment-là qu'on saura si j'ai payé ou pas. Hé, hey, Okoro m'a seulement remis son argent et l'argent de Ike. En tout cas, pas le tien, oh. Donne mon argent maintenant même. Un homme justice. Tu prends du chanvre. Tu étais là quand Okoro avait payé pour moi et Ike. Hein, n'est-ce pas? Comment viens-tu demander encore l'argent? Hein? Que le Saint-Esprit te ferme la bouche. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui te prend? Écoute, dis que je refuse les problèmes. Okay, demande-lui mon argent. Okay, maintenant okay, même, je okay, refuse vraiment okay, les Madame problèmes. Chassis, paie-moi mon écouté, argent. Oh. J'ai écouté, je vais te payer. Regardez-moi celui-ci. Ah, je vais te payer. Oh, tais-toi. Allez, tais-toi. Parce que je suis dans ton bar. Respecte-toi, sinon je veux te faire du mal. Tu vois? Je t'ai dit que je vais te payer, paye-moi, non. Ah. Écoute, c'est mon argent qui m'intéresse. Paye-moi maintenant, s'il te plaît. C'est derrière qu'on met cet argent. Regarde, prends. Ajoute-nous quelques bouteilles. Nike. C'est pas magique. Écoute, ne suis pas tout ça. Je te ferai du bien quand tu viendras la voir prochaine. Tu devrais savoir que je suis plus qu'Okoro avant de commencer à m'insulter. Toi, tu es mon pote. Ajoute-nous de la bière. Celui-ci. Il y a encore à boire là-bas, non? Amène-nous la bière, non? Ok. Justice. Oubliez ce qui s'est passé. Vous connaissez très bien votre madame. Au tenu volé, bou. Il fait. Mon ami. Ah, Ogoda Toka. Mais quand est-ce que tu es rentré, non? Ah, ah. Hein? C'est depuis le mois passé. Hein? Je t'ai dit vrai, non? Tu mens. Comment depuis le mois passé, moi je ne suis pas au courant. Hein? Comment? Ailleurs? Oh, écoute ce que tu dis. Moi je te croyais mort. Moi mourir. Même si la mort l'a fait près de moi. Je vais lui donner les dos, c'est vrai. Même, tant que tu es là, si on t'a empoisonné, le poisson lui-même dira, pourquoi tu es venu ici? Le poisson va confesser lui-même. Ouais. Alors c'est bien, tu vois comme tu es là, allons un peu nous détendre ailleurs. Allons-y, de l'autre côté. Allons voir ce qui est prévu là-bas. Tu veux? Oh, regarde cet idiot. Toi, idiot. Hey, Dike. On perdait vraiment notre temps là-bas. Ici, c'est très bon que là. Ah, toi aussi, tu l'as remarqué. Aïe. On partait là-bas dans ces bicoques petits comme ça. On s'est caché là-bas. Je ne savais pas qu'il y a un endroit pareil ici. Sans oublier qu'ici, on verrait les filles qui passent. Ah, est-ce vrai? Mais je t'avais dit que nous n'étions pas loin. Hey, regarde, Okoro est en train de venir. Ah, bonjour, comment? Oui, ça va. Très content. Comment tu vas? Vous êtes là? Nous sommes là. Qui travaille ici? C'est une nouvelle place, mais c'est toujours pour la même personne. Justice. Elle s'appelle Justice. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle appelle là, non? Justice! Qu'elle nous donne ce qu'elle a. Justice. Alors vite. Fais vite. Tout ce que nous avons besoin. Okoro. Okoro, vous êtes déjà là. Justice. Okoro, je suis contente. Justice, la guerrière. Justice. Elle-même en personne. Je suis contente. En effet, je suis venu avec mon ami pour qu'il soit vraiment détruit. Laisse qu'il soit détruit ici. Ton ami? Hein? Quel est alors son nom, non? Akaraka. Ake. Akaraka. Aki. Bien fait. Sois le bienvenu. Tu vas nous donner... C'est à toi que je suis en train de parler, non? Apporte-nous la bière habituelle. Ok, au Vichy. Oui. je ne sais pas combien il pourra prendre. Apporte deux. Ok. Vite. J'arrive. Eh oui. Hey. Où est cette chassis dont tu m'avais parlé? Le propriétaire de cette place. Celle que tu appelles Chassis. Celle qu'on appelle Justice. Mais bien c'est elle, non? Ah, mais c'est elle, non? Mais c'est bien elle, non? C'est elle la personne. Mais pour,
Pourquoi s'étonne-t-il? Mais c'est elle, Madame Justice, la propriétaire de cet endroit. Adore les bras. Sosonania. C'est elle. C'est pas pourquoi il doute. Donc c'est elle, Justice. C'est la vérité. Viens. Quelle foudre tue ton père? Pourquoi? I went to school, got a certificate to wear battle. The thing be said, na only miss, I be waiting to do there. This is life for one plan. Ah, caraca, mais où vas-tu? Pourquoi ne peux-tu pas rester dans un seul endroit? Hein? Tu vas où avec ce dossier? Je suis fatigué de rester à la maison, non? Je suis fatigué de rester à la maison. Je dois sortir, peut-être je trouverai un travail, je ne peux pas rester ici. Où est-ce que tu vas chercher du travail? Oh, je ne sais pas, maman. N'importe où, hein, maman. Je cherche du travail. Pas de problème, je t'attendrai. Reviens à temps pour manger, s'il te plaît. Tu es mon seul espoir. Bien. Regarde, je ne me sens pas à l'aise de la façon dont cette fille-là se rapproche de moi. Hein? Je ne peux que te dire ceci. Tu dois vraiment bien jouer à ces jeux. Les jeux, ce n'est pas ce que je veux. De quel jeu me parles-tu? Hein? Ah, pardon d'ici. Pardon. Ah. Maman. Oh, déjà, tu es de retour. Bienvenue. Comment ça s'est passé? Remercions Dieu. Remercions Dieu. Y a-t-il à manger? Oui, c'est à l'intérieur, à la maison. Oh. C'est un rêve ordinaire. Hey. Il y a quelque chose qui arrive dans ma vie. Oh. Hey. Dieu, donne-moi cet homme, non? À qui mon amour? Et que quoi ferais-je? Hein? Hey. Seigneur, je vais dormir. Envoie encore ce sommeil et que je rêve cet homme. Oh. Que ferais-je? Donne-moi vraiment cet homme pour moi-même. J'aime cet homme. À qui? Comment est-ce que mon rêve n'est plus revenu? Hmm? Okoro résoudra ses problèmes.
Pourquoi m'appelle-t-elle d'ailleurs? Oh. Est-il pour la somme d'argent qui était restée, dont je ne lui ai pas encore donné? Elle m'appelle maintenant. Hein? Qu'elle me laisse tranquille. Allô? Allô? Okoro. Je te saisis très bien. Okoro. Allô? Je sais à qui je suis en train de parler. Ton numéro est dans mon téléphone. Okoro, puis-je te voir? Je veux te voir. Mais pourquoi m'appelles-tu? Tu me déranges pourquoi? Dis-moi un peu. Je ne crois pas que ce soit pour le salaire à qui était resté. T'inquiète, ne t'inquiète pas, je vais bien te payer. L'argent de la boisson? Pardon, j'ai déjà oublié celui-là. Mais pourquoi m'appelles-tu? Dis-moi la raison. Qu'est-ce qu'il y a? Comment va ton ami? Lequel de mes amis es-tu en train de parler puisque j'en ai autant? 20 d'un côté et 20 d'un autre. Qui parmi eux? Pourquoi fais-tu semblant? Ton ami de la fois passée, celui que tu m'avais présenté, as-tu oublié? Je ne crois pas que ce soit Inès. Il est l'un de tes amis. Je crois que son nom est Ake. Ake. Regarde même la façon dont tu es en train de l'appeler. Ake. Ake. Il s'appelle pas Ake, il s'appelle Akaraka. Mais d'autres l'appellent aussi Ake. Et c'est le nom que tu choisis. Hein? Ake, c'est le nom du marathon où vous courez sur des montagnes, des grandes et des grandes montagnes. De toutes les façons, je ne sais où il est, cet idiot. Mais je crois qu'il est chez lui, à la maison. Okoro, s'il te plaît, rends-moi service. Viens avec ton ami. Dès le quoi? De quoi parles-tu? Si tu viens avec lui. Tu vois maintenant? Je vais te récompenser. Tu vois? Peut-être que tu t'es arrangé avec la police, avec l'ANER, le groupe de vigilants, tous ces genres de groupes. Hein, Aboro, tous ces genres de brigands, juste pour qu'ils m'arrêtent devant ta boutique, à cause d'une petite somme d'argent. Si c'est pour ça, attends, je te paierai. Ne viens pas. Okoro, je t'en prie. Tu sais quoi? Oublie la dette que tu as là. Oublie ça. Hein? Que j'oublie cette dette? Oui. Oh, mais... Justice, justice. Oh, ma propre justice. Hey, merci beaucoup. Tu viens de dire que j'essaie d'oublier cette dette. Ok, bien. Mais tu vois, je ne peux pas arriver là-bas. Même si je l'appelais, tu vois, quand je vais l'appeler, il va me demander de prendre même une ou deux bouteilles. Okoro, venez seulement. Ce n'est pas grave. Hein? Je vais tout prendre en charge. Je sais moi-même. Justice, the justice. Alors, à quelle heure veux-tu que je vienne? Dans ma boutique, maintenant. Alors, quelle sorte de boisson as-tu? Parce que si je l'appelais seulement maintenant, il fera tout et sera avec moi. Il va toucher à quelqu'un. Tu vois, à quelque part. Tu sais. Oui, oui, j'arrive. Merci, oh. Ne t'en fais pas, je suis en route. Okoro, venez, je vous attends. Venez vite. Venez. Hein? Bye, bye. Donc je comprends que c'est pas pour moi que tu as appelé. Hein? C'est pour Akalakala, c'est pour lui vraiment. Imagine. Mais voilà que cet idiot Akaraka, il ne regarde même pas cette femme. Même pas. Si j'étais Akaraka, j'allais vraiment jurer qu'à chaque fois que je serai dans sa boutique juste pour boire, je prendrai 6 bouteilles. 3 bouteilles de Kung et 3 autres pour le Mbunzumbuti. Que je m'échange pour aller voir cet idiot. Akaraka, j'aime cet homme. Je souhaite que cet homme devienne le mien. Justice de justice. Pourquoi mon pote qui dépense beaucoup d'argent? Justice, la mère de mère. Justice. Tu sais tel que je suis là? Hey, oh. Il y a du miel ici à l'intérieur. Il y a du miel ici, mon pote. Justice, tu es comme si tu es une plante qui est en train de pousser. Justice, c'est justice. Tu vas me tuer, tu vas me tuer. Okoro. Justice, la pièce rare. Appelle-moi la feuille verte. Justice, la feuille verte. Okoro, bienvenue. Merci, Okoro, dis-moi un peu, je te vois très différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire une chose. Okoro, si vraiment tu veux parler avec lui le français ou les lingala, ça veut dire grand garçon. Ça veut dire? Yongi, yongi, yongi. Ça veut dire que tu es un grand garçon. Non, non, non. Oublie Okoro, 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 Bobo, Okoro. Appelle-moi Okoro Yongi. Hé, hey, Okoro Yongi. Yongi. Ah, Okoro. Je t'apprécie beaucoup. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que je peux t'offrir, non? Bon, donne-moi seulement Moudi Moudi. Tangawis, mettez-les maintenant ensemble. J'ai seulement Goudao. C'est très bon.
Ce goût de là, tout le monde aime ça. Il en demande à tout moment. Mais je connais tout ça. Mais pourquoi tu l'excites encore? Donne-les-moi vite. Attends, je te la porte. Mélange-les. Merci. Merci. Mélange-les. Wow. Laisse-moi me réjouir. Oh. Mais cette place est vraiment agréable. C'est bon. C'est vraiment ici où tout se passe librement. Mais peut-être, les gens vivent ici comme des poissons. Comme des poissons. Hey! Justice! Encore mon pote bien-aimé. Aujourd'hui, ça sera terrible. Hey. Justice, justice de moi. C'est bien moi. C'est la vérité. Vous n'avez qu'une seule madame. Elle s'appelle hey. Justice. À tout moment, Justice. Okoro, arrête ça, s'il te plaît. Il en est mal, hein? Alors dis-moi maintenant, de quoi veux-tu qu'on discute? J'ai un truc très important à partager avec toi. Attends, attends, attends. Es-tu sûr de vouloir me rendre riche? Okoro, ça ne concerne pas la richesse. Laisse-moi te poser une question. Si tu me vois très joyeuse, très amusante, tu seras content, non? Oui, je ne suis pas un diable. Suis-je vraiment un diable? Je veux te dire ceci, je vais t'utiliser comme un ingrédient qu'on ajoute dans la nourriture. Ou bien comme un verre qu'on met dans l'eau pour attraper les poissons. Veux-tu m'utiliser comme un verre pour me placer dans ton maison? Moi, je suis comme un oiseau, non? Ou à l'intérieur, vous mettez... De l'eau. Bah. Hein? Ah, maison, oui. Donc c'est moi que tu vas utiliser comme un jeune verre que tu placeras dans la maison. Après, tu me plongeras dans l'eau pour attraper le poisson. Penses-tu que je serai en sécurité? Plus qu'en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas ça. Qu'est-ce qui se passe, Okoro? Tu seras en sécurité. Justice, tu ne fais que parler en parabole. Exprime-toi en ma langue pour que je comprenne. Toutes tes dents vont tomber. Tu sais très bien que mes pieds sont très gros. Si je les utilise, toutes tes dents vont tomber. Je voudrais dire, parle-moi. Attends, on va y arriver. Le problème est que, Okoro, je veux que tout soit facile. Je veux que tu me connectes avec ton meilleur ami là, à Caracas. Attends. Qu'il vienne dans mes mains. Attends. Je veux cet homme. Attends, attends. Ce que tu veux me dire est que tu es amoureuse de Akalaka. Je l'aime tant. Tu l'aimes. Un amour sérieux. Je l'aime tant. Oh, l'amour. Je l'aime vraiment tant. C'est étonnant. Et tu comprends beaucoup mon amour. Oh. L'amour. Oh. Hein, dans ce cas, maintenant, que veux-tu exactement que je fasse pour toi? Comment es-tu? C'est quel genre de question comme ça? Okoro, ne sois pas dingue. Ok. Connecte-nous, non. Connecte-nous. Tu veux vraiment que je vous connecte? Connecte-nous. Connecte-nous à Caracas. Avec toi. Non. Ça, c'est pas ajoute la bière. Ajoute plus de la bière. Mélange-les encore. De quoi veux-tu parler? Ajoute la bière. Ajoute plus de bière. Vas-y, vite. C'est pour... c'est un faux problème. Un petit problème. Ce monsieur est un connecteur. Ce monsieur ici a tous les outils possibles pour te connecter. Je connecte et je déconnecte. C'est de cette façon que je fonctionne. Akaraka, mon fils, tu vas où à cette heure de la journée avec une veste en plus? Je veux savoir, tu te rends où aujourd'hui? C'est à qui cette lettre? C'est mon ami. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il a quelque chose pour moi. Je dois partir avec mon CV. Tu crois vraiment qu'ils vont t'employer avec ce CV et tu n'es jamais parti à l'école? Que j'arrive d'abord là-bas. Après, je saurai si c'est un bon travail ou un mauvais. Je dois d'abord arriver là-bas. Je dois d'abord partir. D'accord. Tiens ça, maman. Que Dieu te protège. Amen. Oh. Bonne chance. Que je parte essayer. Ce que j'ai dit, si jamais tu faisais tout pour que cette femme devienne vraiment la tienne, tout ira mieux pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Ta vie, bien sûr, ta vie connaîtra de merveilles. Oko, regarde-moi bien. Ok. Qui tu as vu? Non, c'est ma meilleure amie à Caracas. Si tu n'étais pas mon ami, j'allais dire que la foudre s'abatte sur toi. Pourquoi? Que la foudre te brille. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Tu vois cette femme? Oui. Elle est grasse, je suis gros. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la notion d'équilibre. Tu vois son derrière? Hein?
si tu amènes une bouteille et que tu la mets derrière cette femme, la bouteille ne va pas tomber. Tu n'as pas peur de cette chose. C'est vrai ce que tu dis, mais comme je le pense vraiment, je crois que tu dois d'abord aller oser. Tu vois, elle a de l'argent que nous devons soutirer. Soutirer vite. Il s'agit de l'argent. Deuxième point. Tu m'as bien regardé de la tête aux pieds. Tu me présentes une femme qui peut avoir l'âge de ma mère. Akalaka, ce n'est pas ça. Elle n'est pas pareille. Je suis ton ami. C'est au malheur qu'on reconnaît un bon ami. Oh. Alors écoute-moi bien. Tu vois, pour les problèmes de l'amour, les gens disent toujours que l'âge n'est pas une barrière. La façon dont la personne apparaît n'en est pas une. Même la façon dont la personne peut marcher. De cette façon, comme ça. Hein? En ce qui concerne l'amour, il n'y a aucune barrière. Mets ta main dessus. Récupère l'argent. Hein? Okoro, tais-toi. Tais-toi. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Ok, c'est bien. Pourquoi m'as-tu appelé alors? Je t'ai appelé. Parce que... à mon âge, une grande personne comme ça. L'argent, j'en ai pas. Je ne suis pas marié, rien du tout. Donc, je suis comme une perte. S'il te plaît, je cherche un job. Peu importe le travail que tu fais là-bas. S'il y a de la place, mets mon nom. En tout cas, je suis fatigué. Je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas bien, pas du tout. Puisqu'il s'agit du travail, tu es mon ami, je t'encourage. Je l'espère bien. Mais tu vois la femme dont je suis en train de parler. Celle dont on parle. Pourquoi ne pas avoir même 2 minutes de pouvoir penser à elle? Parce que cette femme est capable de te donner même de l'argent. Elle te le donnera bien. Elle peut bien le faire. Pense-y, ok? Pose bien tes yeux sur elle. Dors et rêve sur ça. Et quand tu te réveilleras, laisse-moi savoir si on ira la voir ou pas. Mon cher, cette femme a beaucoup d'argent. Chassis. Chassis. Le pandi nene ni fe le pa fa ka fa na bia le pandi kuno le mo le pa. Alors bienvenue, c'est moi qui avais demandé à Okoro de t'appeler. Je suis venu, qu'est-ce que tu voulais me dire? Il y a un truc que j'aimerais vraiment te dire. Akalaka, je veux te dire que je t'aime. Regarde, si tu n'as rien à me dire, hein, dis-moi, je dois partir, j'ai beaucoup à faire. Cela veut dire, ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas ce qui apparaît. Regarde l'amour que je porte pour toi. Tu ne seras plus le même. C'est pour ça que tu m'en vas appeler? Oui, c'est pour ça, non? Je suis désolé. Tu t'es levé? Tu veux partir? Je m'en vais, je ne comprends pas. Tout ce que tu dis là, je ne comprends pas. Akalaka, tu pars? Tu ne veux même pas boire quelque chose? Je ne comprends pas ce que tu dis, laisse-moi. J'ai une bonne viande d'eau. Mange ça. Oboyi Moussouni, Yakate, Yaka. Akalaka, il y a aussi les foufous. Mange tout ça. C'est une bonne sauce. Tu vas beaucoup aimer Akalaka. Ces garçons me manquent vraiment. Aïe, Aki, Akaraka. Que je l'appelle. Allô? Allô? Allô, bébé? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'appelles bébé. Ok, je suis désolée. Hein? Comment je suis devenue ton bébé? Je suis désolée. Comment vas-tu, mon amour?
Bien. Alors, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'appelles? Mon amour, je veux te voir à mes côtés. C'est pour ça que tu me déranges à cette heure. C'est pour le caresse et autre chose, y compris. N'importe qui peut le faire. J'ai juste besoin de toi cet après-midi. S'il te plaît, arrête de me déranger. Tout ça, c'est pour toi. Alors, cette maison. Mais c'est à moi, ça m'appartient. Hey. Laisse-moi te dire. J'en ai quatre. Quatre? Bien sûr que j'en ai vraiment quatre. Et les petites voitures qui font le taxi. C'est bien, oh. Écoute, bouffe mon argent. Dépense comme tu veux. Je t'aime. Tu ne pourras pas imaginer combien je t'aime. Bouffe mon argent. Oh? Je suis timide. Es-tu timide? Vas-y, mange. Mange, non. Mange, non. C'est moi qui te donne. Pardon, mange. Mange. Ça, c'est mon bébé. Oh. Est-ce que je ne t'appelle pas bébé? C'est comme l'œuf du jardin. Hein? Ce n'est pas l'œuf du jardin. Ce n'est pas ce que tu penses. Ok. Tu as dit que je t'appelle plus bébé. Tu m'as donné à manger et tu me poses encore des questions. T'es folle. Je dois d'abord terminer ce dégommage. Termine vite, j'ajoute. Termine, je rajoute, non? Que je puisse t'appeler par quel nom? Dis-moi non. Allez boire. As-tu aimé? C'est quoi ça? Hein? C'est un médicament. C'est une bière ordinaire. Tu as une mission? Non. Ça ressemble au goût du coca. Non, c'est comme de l'eau. Tu me fais beaucoup rire. Si tu ne l'as pas aimé, dis-moi, je vais apporter une autre. C'est bien. J'en ai assez, non? C'est bien, c'est bien. As-tu apprécié? Ike, dis-moi, tu veux que je t'appelle comment? Appelle-moi Akala. Akala? Ou Akem. Ok, Akara ou Ake? Akem. Akara, Ake, Ake, mon amour. Ake, pardon, je t'aime. Tu sais ce qui m'énerve? C'est quoi? Hein? Dis-moi. Tu m'appelles bébé. Maman, je ne veux plus jamais t'appeler ainsi. Je suis ton enfant. Tu m'appelles bébé? Je dis que je ne veux plus t'appeler ainsi, non? Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas te perdre. Sans effet. Tout le monde qui accepte d'être appelé bébé, il mange la nourriture de bébé. Akéman, regarde mon visage, non? Regarde-moi. Hé, hey, ça c'est mon amour. Tu vas bouffer mon argent, non? Ce n'est pas ce que j'ai dit, oh. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui veut dire tu n'as rien dit? Je suis timide. Qu'est-ce qui te rend timide? Je veux partir. Tu veux partir? Ah oui. Reste, non? Akalaka. Tu sais, il y a du travail de l'autre côté. C'est vrai ça? C'est vrai. Et si nous allions là-bas, nous allons y rester pendant 1 à 3 mois. Nous y resterons pour y travailler. Ah, ce n'est pas du tout mon vœu. C'est bien. J'avais même appris qu'il y a même la restauration. Ils donnent même de l'eau. Ah. Ah, en tout cas, s'il y a à manger, là c'est bien. Les travailleurs vont manger. Comme ça, on va bien travailler. Oui, c'est ça. Ils ne compliquent pas les gens. Comme ça a toujours été le cas partout. C'est pas un travail difficile. Non. C'est comme les... Les contracteurs qui passent sur la route. Je voulais juste dire ceci. Terminons d'abord le premier et attaquons le deuxième. Ça sera mieux pour nous. Là, tu auras beaucoup d'argent. Beaucoup, je t'ai dit. Quand je suis allé là-bas, laisser quelque chose, j'ai entendu que d'autres mineurs à la fin de la journée. La rentabilité de la journée. Hey. Tu vois tous ces entrepreneurs de bâtiments. Et ils ne peuvent que nous donner. Quand est-ce qu'on ira là-bas?
Non, bientôt là, je viendrai te chercher. Ok. Now, matter is anything that has weight and occupies space. Hey, bring those blocks now. That's some people there. That's all they have. That's some people there. That's all so trouble they do. La boîte qui se trouve ici, elle doit aller de l'autre côté. Qui te remet de l'autre côté? Je ne sais pas du tout, je dois vérifier. Veux-tu le rejoindre? Hein? Okoro, hein? Tu vois la maison? Hein? J'ai faim, oh. T'es pas le seul, tous on a faim, oh. On peut même se mettre ici. C'est bon. Faites vite. Quand vous terminez là-bas, faites tout et remplissez le truc avec de l'eau. Comme ça, nous allons commencer avec le mélange du ciment. Va prendre le pain là-bas. Aïe, fatigué. J'ai tellement faim aussi. Oh. Salam bon. Nayoki. Aïe. Hey. Tu sais ce qu'on doit faire? Hein? Demain, on ne viendra pas au travail. Pourquoi? Tu sais, avant-hier, on ne nous a pas payé. Hier, on ne nous a pas payé. Aujourd'hui aussi, on ne nous a pas payé. Tu as raison. 3 jours successifs, on ne nous a même pas encore payé. Hein? À quoi bon de travailler? Ces gens ne nous traitent pas comme il faut. Laisse-moi te dire. Demain, il n'y a pas de travail. Pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas demain? Avant-hier, ils devraient normalement nous payer. Ils ne l'ont pas fait. Hier, pareil, et aujourd'hui, jusqu'à là, je ne vois personne. Mais celui qui est censé nous apporter de l'eau ne vient pas. C'est vrai. Tu dis la vérité. Tu dis que la vérité. On va rester à la maison. Oh, vas-y, prends ça. Vas-y, travaille, on arrive. Continuez. Travaille. Continuez, on arrive. On arrive. Je t'attends, oh. Très bien, oh. Je m'en vais. Rejoins-nous. Vite, vite alors. Hé, regardez, ne laissez pas cette voie d'eau. Je ne veux pas la faire entrer. Dépêchez-vous. Bien, hé. Mora, amène toutes ces briques ici en haut. Bien sûr, amenez-les. Faites vite. On s'occupera d'autres. Après, hein. Faites vite, on n'a pas du temps à perdre. This kind of people. We go for va ranger toutes ces pierres, hein? Mélangez-les avec les ciments. On passe à l'étape d'écoulement du béton. Ben! Mais fais entrer cette brouette, non? Akaraka, on m'a dit que tu étais passé prendre le pain chez moi. C'est ça que je mange. Tu payes quand? On va te payer lorsque le boss nous payera. Tu me dois combien maintenant? Hier c'était 70. Plus ça, celui d'aujourd'hui. 210. Hein? 260 ou 270? 280. Akaraka, tu manges, non? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Non, il n'y a rien. Débrouille-toi pour payer ma dette. Une fois que le boss viendra, je vais tout te payer. Akaraka, mon argent, oh. Ah, tu as vraiment envie que je perde et que je ferme ma boutique. Mais je suis ton client, non? Et après? Quelqu'un t'aime et toi, tu veux toujours les déranger. Qui est la personne que tu aimes? C'est qui?
Quelqu'un t'aime et toi tu lui demandes la dette. Regarde, ne commence pas tes sales jeux avec moi, ne commence pas. Tu blagues avec moi, n'ose plus venir prendre du pain chez moi. Tu m'as bien entendu. Je ne veux plus, oh, je ne veux plus te voir devant ma boutique à Caracas. S'il te plaît, ne te fâche pas. Ne me parle plus jamais de cette histoire d'amour. D'un homme mado. Amour. Je vais te payer lorsque. Si tu ne veux pas lorsque, de problème. Lorsque le patron Caracas, viendra, je vais te payer. Mon argent, oh. Ne t'inquiète pas, je vais le payer. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Cette fille a dit qu'on ne l'a pas payé. Tu parles de ce pain? Elle a raison, nous ne l'avons jamais payé. Oh. Elle s'est fâchée. Mais tu sais, moi j'aime beaucoup cette fille. Hein. Peut-être que je vais l'épouser. Oh. Tu vas l'épouser? L'épouser parce qu'on a sa dette. Que penses-tu? Que le monsieur ne va pas vraiment nous payer. Il finira toujours par nous payer. Et on paiera pour tous ses pains. Lorsque je lui ai dit que je l'aime, elle voulait me gifler ici. Oh. Pourquoi? Combien de garçons ici? Combien de gars? Regarde. Combien les garçons ici l'ont déjà approché? Elle doit être contente parce que tu lui as parlé de mariage. Cette fille, elle est belle, oh. Oui, elle est grâce. Moi, je ne vois que le derrière. Cette fille, elle est belle, oh. Je ne vois que le derrière. Si j'ai eu cette fille, je vais directement l'engrosser. Pour l'instant, je veux qu'on me laisse tranquille. Oh, Chimo. Dike, tu veux qu'on te laisse tranquille? Oui. Comment? Ces derniers temps, est-ce que tu me vois encore avec cet Okoro? Ah. C'est vrai, Ro. Tu m'as rappelé, tu es celui qui était toujours avec Okoro et Akaraka à tout moment ici. Je me suis bien rappelé. Tu étais vraiment leur meilleur ami avant. Dieu merci, tu as dit auparavant. Avant, non, tu l'as dit. Auparavant. Auparavant, non. Pas maintenant. Il n'est plus mon ami, oh. Moi, Okoro n'est plus mon ami, oh. Tu peux demander à Ike. Ah. Pardon, oh, je refuse que tu t'énerves, oh. Où sont partis ces gens-là? Je ne les vois plus ici. Madame Justice, ils travaillent dans un chantier. Dans un chantier? Et ils sont en voyage, ils ne rentreront pas maintenant. Dans un chantier? C'est qu'elle travaille dans un chantier. Je n'arrive pas à comprendre. Akaraka ne comprend pas l'amour que j'ai pour lui. Oh. Je ne sais pas comprendre quand est-ce qu'il comprendra que je l'aime vraiment énormément du fond de mon cœur. Qui est en train de t'appeler? Ton téléphone sonne, vas-y, décroche. C'est ton problème? C'est pas le mien, mais décroche quand on t'appelle. Décroche ton appel, non? Ike, pourquoi refuses-tu de décrocher? S'il te plaît, décroche, non? Pourquoi ne pas décrocher? Vas-y, décroche quand on t'appelle. C'est qui comme ça? J'ai perdu mon téléphone. Allô? Bonjour, bébé. Mon amour. C'est qui, s'il te plaît, te fâche pas. Hein? Comment est-ce que tu ne sais plus comprendre ma voix? Hein? Ma voix a changé? C'est juste Madame Justice, ton amour. Ok, Madame Justice, c'est toi. Comment ça va? Où es-tu? Je suis en voyage. Je ne suis pas là. Ok, tu reviens quand? Hey, dépêche-toi vite, non? Mon cœur a besoin de toi. Bébé, je t'aime beaucoup. Et tu sais bien que tu me manques beaucoup. Hey, c'est comme si je t'ai entendu dire que tu es vraiment en voyage. Alors quoi? Quand je suis avec toi ici. C'est quoi ton problème? Mon problème est que je suis avec toi. Mon ami, tais-toi. Mais pourquoi tu lui mens? Tu ne l'as jamais même appelé. C'est toujours elle qui t'appelle tout le temps. Allô? 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 Ah, réseau. Réseau? Quel réseau? Tu viens de raccrocher, tu parles du réseau. Réseau, réseau. Tu mens, tu te comportes comme un fou. Qui est ici? Donc tu veux que je suive cette femme? Que je la suive, c'est ça? Hey! Hey, mon cher ami! Cette femme a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que ce soit seulement moi, oh! Je vais souhaiter que ce soit moi! Attends, toi tu n'es pas un homme?
Bien sûr que oui, mais... Va vers elle. Va chez elle. Prends-la. Elle est à toi. Au lieu d'attraper ce gros poisson qui te suit toujours derrière, tu préfères faire la tête, hein? Si c'était moi. Je t'ai même pas vu en train d'appliquer les laits de beauté. Ou la poudre. C'est normal. Moi, je ne suis pas une fille. Pour les mettre. Ce monsieur, où est-il? Ah, Kalaka. Ha. Attendez-moi, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive, s'il vous plaît. Ah, Kalaka. Nous n'allons même pas plus loin comme tu le penses. Tu prends beaucoup du temps comme ça, comme une fille. Je crois qu'il cherche le parfum. Je crois que c'est ce qu'il cherche. Il mettra sur sa chemise par-ci, par-là. Oui, le parfum. C'est ce qu'il cherche, ça. Je crois. Le voilà, il est là. Oui. Il sort déjà. Je crois qu'il a fini. Jésus, tu n'es qu'un. Regarde ce qu'il a mis. Hein? Pourquoi as-tu mis la veste avec un t-shirt, avec un tissu et mocassin? Non, ça c'est pas mocassin. Qu'est-ce que tu appelles mocassin? Ça c'est pas mocassin, c'est canne. Un canne. Non, converse. Et laisse-moi te demander. Tu t'es habillé comme ça juste pour que nous t'accompagnions où tu as l'habitude d'aller prendre la bière? C'est quoi même votre problème? Hein? Vous n'aimez pas le fashion? Fashion? C'est que j'ai porté là. Hein? Première classe. Hey, quelle fashion. Tout le monde qui va me voir dira c'est gare. Ah! C'est pas facile. Rentre à l'intérieur, t'es changé et fais-le vite, vite. Regardez-moi ces jeunes gens, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas la mode. Hein? Vous me faites rire. Tu te prends pour qui? Si je l'avais mis, qu'allais-tu vraiment prendre? Adi, jeune homme, allons-y. Frère, toi, on va changer de catch. Je ne pourrais pas partir comme ça avec toi. Viens ici, on y va. Alors, allons-y. Ne les suivons pas. Vous ne connaissez pas la mode. Allez vous renseigner. Akalaka, arrête de parler. On a mis le relax. Tu sais, les jolies filles, hein, lorsqu'elles verront un beau gosse comme moi. Non, ça va bien, non? Tu sais, non. Toi, mon cher, tu es un aventurier tout à fait. Jolie fille, jolie fille. Ouais, ok. Regarde-moi. Il faut contrôler aussi la démarche. Regarde-moi. Je contrôle la situation. Attendez que je ferme le portail. Que la foudre s'abatte sur vous. Aka, regarde-moi celui-ci. Tu dors comme les gens qui passent nuit au deuil. Ceux qui animent souvent. Et surtout quand il est minuit, ils font de... Comment on appelle ça? Réveille-toi! Réveille-toi vite. Tu dors comme si tu ne savais pas qu'on devait aller chercher quoi manger. Hein? Pourquoi tu perturbes ma sieste? Ta sieste ou ta soeur, peu importe. Mon problème est que tu te réveilles pour que tu contribues avec l'argent. Allez là. La famine m'a frappé. Qu'allons-nous manger, Biko? En tout cas, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Non, ne me dis pas ça. Alors, où as-tu mis l'argent que je t'ai donné la semaine passée? Tout ce que j'ai ici, c'est ma desaneira. Je dois les retirer dans mon compte bancaire. Compte bancaire? De quelle banque parles-tu? Est-ce que dans tout ce village, il y a une banque? As-tu un compte? Hein? Pas de problème. De toutes les façons, quand tu auras faim, vraiment faim, tu sauras quoi faire parce que personne ne te dira même d'aller cuisiner. Parce que si j'ai cuisiné, mets-le dans ta tête que tu ne vas même pas goûter. Banque. Quelle banque?
Okoro! Oui. Tu as préparé ça où tu as acheté? Quel genre de questions me poses-tu? Ça ne mérite même pas une réponse. Hey! Oui. La faim peut te tuer. Oh. J'aime beaucoup les riz. Que veux-tu faire? Tu te rappelles pas que je venais à peine de te supplier, de te réveiller. Akalaka, akalaka. Réveille-toi pour que tu contribues et que j'aille au marché. Tu m'as dit que tu dormais et que je dérangeais ta sieste. Et tu m'as même dit que à Lagos, il y avait des charcuteries plus qu'ici. Et c'est la même nourriture que tu veux manger. Si jamais tu mettais ta main dans ma nourriture, nous irons voir avec toi le chef de ce village. Je vais seulement goûter. Récupère ta cuillère. N'ose pas, n'ose même pas la mettre ici. Ne me provoque même pas. Une cuillère seulement. Même une petite graine n'entrera pas dans ta bouche. Hey! Okoro, ton ami. Okoro, Okoro. Aïe! Ah, yeah. Tu vois, quand tu es à table. Et tu prends rice. L'autre là, Akalaka. Bon, nous allons rester et toi tu pars déjà. C'est vrai. Mais de toutes les façons, il y a une autre maison que nous allons construire. Je te tiendrai au courant. Hein? Je sais que tu vas m'appeler. Ne t'en fais pas, je sais comment tu travailles. Tu es fort. Merci. Imagine là-bas au chantier. Les gens voulaient me défier. Mais tu sais ce qui s'est passé là, tu me connais. Ne t'en fais même pas, je sais ce qui s'était passé. Tu veux m'appeler? Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Bon, moi je vais un peu chercher la moto. Mon cher, j'ai vraiment aimé tout ce qui s'est passé ici. Pas de quoi. Merci. Oh. Ok, nous nous rêverons. Ouais. Va bien. Bye bye. Ok, bye. À la prochaine. Ifi, j'aime prendre la bière, oh. C'est trop bien.
Oui, tu as raison. Oh, voici mes amis. Okoroko. Hey. Okoroko. Oh, cher ami. Je vais bien. Je suis toujours bien. Bon. Justice, justice. Okoroko. Okoro, mon pote à moi-même. Bienvenue. Merci. Oh. Alors, Okoro, où est ton ami? Justice, essaie un peu de patienter. Hein? Donne-moi l'habitué que je prenne un peu. Que je me rafraîchis hein, avant de me poser toutes ces questions qui ne sont même pas importantes. Okoro, tu fais comme si tu ne connais pas vraiment mes sentiments. Ah, pardon, non, 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 donne-moi d'abord à boire, pardon. Pourquoi me déranger comme ça? Je vais partir. Oh. Maba, allô. Hein? Maba, allô. Bien, ma chère, hein, donne-moi mon habitué, hein, l'habitué. Fragile ou chaude? Apporte-moi alors celle qui est fragile. Donne-moi celle qui est fragile. Je sais que vous allez comprendre quoi, cette fille. De toutes les façons, elle se comporte vraiment comme toi. À chaque fois que je suis ici, ce sont des questions, des genres de questions que tu me poses. Et que veux-tu encore? Oh, merci, ma chère. Ouvre, ouvre, ouvre vite. Apporte celle qui n'est pas... celle qui, tu as besoin qui n'est pas du tout bien grillée. La cuisse, une. La cuisse grillée, non. Un. Où est passé ton ami, non? Il est resté. Mmh? Lui, il y était resté. Mais oui. On m'a dit que vous travaillez dans un chantier. Quel travail faites-vous vraiment là-bas? Je ne sais pas. Il y est resté. Il doit chercher du boulot là-bas. Il n'a pas vu l'importance de rentrer. Okoro, hein? Le problème est que tu ne sais pas combien ma tête me dérange. Mmh? Hein? Tu ne comprends pas vraiment ma condition. Tu ne sais pas la façon dont j'aime vraiment cet homme. Si tu es en train de parler de conditions, pardon, je ne suis même pas l'un des membres de ta famille. C'est lui qui me manque beaucoup, non? Ah, tu parles toujours de mon ami. Ton ami, convainc-le et dis-lui qu'il me manque beaucoup. Mais n'oublie pas que tu m'avais l'autre fois parlé des problèmes de ta famille et lui n'acceptera jamais cela. Oublie celui-là, il n'est pas un problème. Mais je crois t'avoir donné son numéro de téléphone, n'est-ce pas? Je l'ai. Appelle-le. Alors c'est à toi de jouer. Va-t-il répondre au téléphone? And some people dead, and so troubled in the final. Akalaga, the Sakaga, we do. Akalaga, he only the man over. The Pandi, the Nelife, the Pafaka Fanabia, the Pandi Kuna Lama, the Pafaka Fanabia. Oh, yeah, good. Oh, yeah. Où est la servante? Okoro. Apporte-nous la bière. Okoro, parle-moi, non? Viens avec deux bouteilles. Hein? Ya! As-tu quel problème qui te rend si timide comme ça? C'est mieux d'être comme ça. Mon propre frère. Akalaka m'a juste laissé ici. Il est allé là-bas au service. Service quoi? Quel genre de service encore? Pour les services, les services qui m'ont parlé l'autre fois quand on parlait avec lui au téléphone. C'est là-bas. Oui, il veut parler du service. Que ferais-je? Oh, que ferais-je? Akalaka m'a abandonné pour les services. A-t-il oublié l'amour que je porte pour lui? Il n'a pas considéré mon amour, ni aussi ma condition. Il m'a abandonné si facilement et il est allé à son service. Il ne m'a même pas informé qu'il partait au service. Tu voulais qu'il te dise... qu'il te dise en tant que qui? Je l'aime, non? Mais même s'il te disait, qu'allais-tu faire si Okoroko m'a quitté pour aller au service et toi? Toi, tu es son ami, mais moi, je l'aime du fond de mon cœur. Je l'aime ton nom et tu le sais très bien. Le seul conseil que je peux te donner maintenant... Et c'est le bon que tu puisses supporter. Tu ne peux que faire tout pour l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Si tu es mon ami Akalaka, tu dois l'attendre pendant 4 ans. Ce n'est qu'après 3 ans qu'il pourra revenir. Alors si tu as besoin vraiment qu'il puisse t'épouser. T'épouser. M'épouser quand? Dans 4 ans? Ce service prendra 4 non, ans? Hein? Non, je ne suis pas en train de parler d'une année. Je suis en train de parler de 4 ans. Dans 4 ans? Ce service prendra 4 non, ans? Hein? Non, je ne suis pas en train de parler d'une année. Je suis en train de parler de 4 ans. Je parle de 4 ans. Cet homme a vraiment oublié que je l'aime énormément. Ok, je vais appeler les élèves.
Ok. Mais où sont ses élèves? Sortez, vite, vite, vite. Bien. Bonjour les élèves. Bonjour messieurs. Je crois que vous allez vraiment bien. Nous allons bien. Ok, bien. Je me tiens ici pour vous présenter le professeur de biologie. Il s'appelle monsieur Akalaka Tukuma. Il vous enseignera la biologie et la musique. Je crois que vous lui donnerez les raisons d'être vraiment avec nous. Monsieur Akalaka, les voici. Ah, comment tu vas? Tu es très content, n'est-ce pas? Tu vas aimer. Je t'ai dit, tu vas aimer. Vous pouvez maintenant rentrer. Regagnez vos salles. Qu'ils rentrent dans leur salle. Oui. Allez-y. Bien, messieurs, allons-y discuter un peu dans mon bureau. C'est qu'est bien. Qu'est-ce que j'ai écrit? Reproduit. Hein? Où? Erreur de figure de style. Encore? Système reproductif. On va apprendre en ce qui concerne le système de reproduction des enfants. Qui parmi vous peut me dire ce que signifie système reproductif? Faites attention. Toi. Mon nom est Amakobi. Le système reproducteur, c'est l'organisme dans le corps qui est responsable de la reproduction. Tu dis quoi? Comme je l'ai dit, le système reproducteur, c'est l'organisme dans le corps qui est responsable de la reproduction. Tu l'as compris? Oui, monsieur.
Tu es sûr? Oui, monsieur. Donc elle a raison? Oui. Si système reproducteur, c'est organe. C'est ça qui fait... c'est plutôt cette chose-là que tu connais. C'est ça qui fait la reproduction. Oui, monsieur. Monsieur, quelle est la chose en question? Organe, organe. Hey. Hey, organe. Mais c'est quoi organe? C'est quoi? Monsieur, pardon, explicité. Nasagola. Expliqué. Nasagola. Sakola, expliqué. Nasagola. Parce que nous tous, nous l'avons. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le cours est fini. Écris les notes. À nous revoir demain. Monsieur, s'il vous plaît, je voulais que vous m'expliquiez quelque chose que je n'ai pas bien compris. J'ai un rendez-vous au Prince Banane. Hein? Tu connais Copa Cotas? Oui, monsieur. Numéro 19. Viens, c'est de la même personne. Ok. Hein? On va le régler chez moi. Oh, je viendrai toute seule. Viens, je te donnerai toutes les réponses. Viens haut. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Regardez comment il écrit. Stella, Stella. Ma copine. Stella International. Arrête de lire ces trucs, c'est quoi? Jennifer, je comprends pas ce professeur de biologie. Oh. Ah, franchement, je ne le comprends pas. C'est quoi pas. Ces troubles? Et puis, il n'y a pas. Écoute, hein, j'apprécie vraiment cet homme. Il est le seul qui peut nous enseigner ce cours de la musique. On l'attend. Et il a dit que c'est demain. Je suis très contente pour ça. Oh. Hey, c'est vrai. Dans ce cas, demain, moi je vais danser comme ça. Et là, tu es contente. Je l'attends. Jennifer, aussi. Oui, ma chère. Tu ne veux pas avec nous? Oh non, j'arrive. Ces jours-là, je veux danser. Écoute, mais moi, hein, je danse plus que tout le monde. Tu crois que les autres ne savent pas du tout danser? Écoute, ces jours-là, je veux danser, danser, moi, danser. Moi, je veux danser, danser. Et attends d'abord, où est Stella? Stella? Où est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. Je suis là. Regarde-la. Mais où étais-tu? Baby! Je vais travailler à la bibliothèque. Vous ne me laissez pas lire ici. Ah, ah. Alors, les nouvelles? Tu te prépares?
Mettez-vous. Et toi, dans mon bureau. Hein? Tout de suite. Suis-moi maintenant. Maintenant, qu'est-ce que fais-tu avec ça? Ah, lorsque tu m'appelais, j'ai cru qu'on était en train de combattre. Je suis venu avec ça pour intervenir. Mais Seman, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Musique. Musique? C'est de cette façon qu'on installe la musique? Avec la danse? Ah, ah, mais la musique, ça va avec la danse, non? Oh, Jésus-Christ. Écoute-moi un peu, Monsieur Man. Nous avons l'intégrité dans cette école. Nous avons les normes. Est-ce que tu me comprends? Je ne peux pas n'importe comment te laisser salir la réputation de cette école. N'est-ce pas toi qui m'avais dit que la musique folklorique est l'image de nos ancêtres? Bien sûr que oui. Hein? Mais la musique dont tu l'as enseignée n'est pas celle que nous utilisons pour notre tradition et notre culture. Ah, je n'ai même pas joué Paeto. Alors si je jouais Kok, Pelicomo, Sawa Sawa, même Maurice Wabandoka. Écoute-moi, si tu le veux bien, apporte ma Kosa ou Ndoloboko, peu importe. Mon problème est que tu enseignes la bonne musique. Ok. Si tu veux leur enseigner la musique traditionnelle ou quoi, il y a une salle polyvalente. Je ne blague pas. Ah ok, pas de problème, pas de problème. Mais ne pense pas que ce que je faisais là, c'est tout ce que je vais leur enseigner. Je vais leur enseigner aussi Maurice Wamadoka et Pericope. Même Sawa Sawa. Même si tu veux leur apprendre ma Kosa. Peu importe, je l'ai dit. Ça, c'est tout ça des classes. Ne ris pas, parce que je ne suis pas en train de blaguer. Tu es drôle, toi. Tu me blagues avec moi. Mes mains ne sont pas sales. Donc, nous sommes devenus amis. Vraiment des amis, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et là, tu es en train de m'intimider dans ma propre école. Laisse-moi te dire que mes yeux sont braqués sur toi. Oh, pas de problème, pas de problème. Et tu dois faire attention. Tu es sois mon prudent. Pote. Je te surveille. Je suis vraiment sérieux. Tu es mon ami. Arrête de blaguer. Je suis...
parle vraiment avec moi.
justice. Par où es-tu passé? Le justice n'est pas là-haut. On y reste encore mes détentes. Je ne connais qu'ici, pas ailleurs. Par où est-elle passée? Ah! Justice! Hé! Hey. Elle se cache ou quoi? Mais qu'est-ce qui arrive à celui-ci? Hein? Je ne sais plus comprendre cette fille, je la comprends plus, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive? Les temps est déjà passé, ma terrasse est toujours fermée. Hein? Oh, ma chère, Dieu va te punir. Dieu va punir cette fille. Oh, éteins. C'est toujours comme ça. Oh, elle éteint toujours son phone. Justice. Dieu va punir cette fille. Oh, oh. Justice. Cette fille. Je suis venu te chercher ici. Moi, encore, j'ai parcouru et tournoyé. Et je suis parti. Je suis venu ici, je n'ai trouvé personne. Même pas toi. Pas non plus ta fille. Où est maintenant cette fille? Où est-elle? Okoro, je ne l'ai pas vue. Depuis que je l'attendais. Attends. Hein? De quoi parles-tu? Je ne te comprends même pas bien. Je n'ai pas vu ma serveuse. Cette fille a fermé ma maison. Elle est partie se promener. Je ne sais pas où elle a placé sa tête. Hein? Où exactement? Où exactement est-elle partie? Okoro, je ne t'ai pas dit. Okoro, Liboma. Où est la fille? Où est-elle partie? Je ne t'ai pas dit que je ne l'ai pas encore vue. Elle est partie se promener. Tu me poses des questions stupides. Okoro, ne perds pas mon temps. Justice, non, apaise-toi. Ne te fâche pas. Non, ne te fâche pas. Mais... Tu veux faire semblant de ne rien savoir de ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la fille dont nous attendons ici doit être chez Akaraka. Akara quoi? Aka, Akara. La main avec des lignes. Oui, bien sûr. Beaucoup de lignes. C'est vrai. Celle-là est vraiment amoureuse. L'amour qui conduit le monde, c'est ce qu'elle a. Oh, je me suis donné à Akaraka. Je lui avais donné tout ce que je possédais, l'argent, n'importe quoi, y compris mon corps tout entier. À boire et à manger, il le prenait gratuitement. Et maintenant, il est parti. J'ai une fille qui n'a rien du tout. Une petite fille, ma serveuse. C'est une bonne, cette fille-là. Hein? Dieu va le punir. La foudre va s'abattre sur elle et à Akaraka. Tu vois, dans ce monde, tout est possible. Nous devons vivre tout, alors tout. Si tu meurs pour quelqu'un, on mourra aussi pour toi. Tu vois, Akaraka est tout le temps avec cette fille. Tu vois? Et tu vois, moi, je ne peux que te dire la vérité parce que je n'ai pas de problème. Je ne te dis que tout ce qui vient de mon cœur. Mais Okoro, que puis-je faire maintenant? Tu vois, mon idée peut sembler être mon mauvais eau. Comment? Peut-être. Que Dieu te punisse. Si tu veux que je puisse parler, je te dirai que nous allions chez Akaraka le chercher. Mais Okoro, qu'attendons-nous, non? Partons maintenant. Mais quand même, il a eu beaucoup d'argent depuis qu'il est rentré. Okoro, on part. Arrête de perdre le temps. On part. Allons-y. On part vite, Okoro. On part. Okoro, dégageons, dégageons d'ici. Donnez-moi au moins une bouteille pour que je me rafraîchisse un peu. Arrête les bêtises. Je parle d'une chose importante. Arrête un peu ça. C'est quoi ça? Oh, Okoro, arrête un peu. On part. Dégageons d'ici. C'est quoi ça? Je ne demande pas pour deux bouteilles, seulement pour une. Allons seulement, Okoro. Je sais que tu comprends très bien ma condition dans ces problèmes, non? Même une seulement. Je ne demande même pas deux. T'inquiète, t'en auras. Okoro, dépêche-toi, non? Viens vite. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je marche, non? Je me suis assis. Tu te rappelles que je viens de te supplier juste pour un litre. Hein? Même deux litres pour mettre dans le moteur. Qu'as-tu fait? Tu m'as dit que je ne comprends pas ce que tu ressens à l'intérieur. Hein? Comment je vais bouger maintenant? Allez, vas-y, seul.
Et si je te dis que je ne veux plus là-bas, que vas-tu faire? Je rentre alors. Il parle aussi de 2 litres. Allez, viens vite, on part, c'est quoi ça? Si je pars, c'est juste pour une seule chose, la bouteille. Dépêche-toi, non, Okoro. Suis-moi, j'avance déjà, c'est quoi ça? Elle me dit d'aller. Si tu veux aller si vite comme ça, porte-moi sur ton derrière. C'est la méchanceté qui fait que tu laisses ton derrière vide. Tu te promènes comme ça. Viens, Okoro, viens vite monter. Et tu veux qu'Okoro puisse vraiment courir. Si tu veux, porte-moi sur ton derrière. Porte-moi. Porte-moi sur ton derrière. Et là, nous partirons. Ah ah. C'est quoi ça? M'as-tu donné du carburant? Regarde la façon dont il se promène seul. Pour qui te prends-tu? Je vais m'accrocher à ton derrière. Thank you.
fond dans ça pour me rafraîchir. Donc l'eau qu'on a dans cette maison ne te convient pas. On n'a pas assez d'eau pour que je me rafraîchisse. Je me t'ai dit que je devrais aller là-bas. Comme ça, je vais bien me rafraîchir. This is life, who won't play me. I can't play, I'm so old. If I go, I can't like là. Hein? Que fais-tu là? Tu n'es qu'une criminelle. Tu viens aussi. Hein? Tu veux me faire croire que tu travailles ici depuis longtemps, c'est ça? Dis-moi, non? Où est-ce que j'avais mis ma clé? Dis-moi. Je te cherchais depuis 10h jusqu'à 7h. Je suis allée à la maison pour me reposer. J'ai changé mes habits. Je ne t'avais pas vu. Où étais-tu? Depuis hier, j'avais très mal au ventre. Je jure. Que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse avec ton ventre. Je dis, tais-toi. Regarde-moi celle-là. Elle allait se promener. Tous ces mouvements gris que tu fais maintenant et tous ces kungus là que tu danses, ça m'est égal. Laisse-moi te mettre la musique avant que tu ne finisses. Hein? Je crois que tu t'es parti voir à Caracas. C'est pourquoi? Tais-toi! Ne peux-tu pas laisser ta bouche fermée? Laisse-moi te dire. Si tu as fait quelque chose, je t'arracherai cette bouche. Regardez celle-là. Oh, les ventres. Je te jure, tais-toi. J'avais très mal. Dieu va te punir et ton ventre. Tu es amoureuse de Akaraka. Okoro t'aime. Tout le monde court après toi. Okoro, mais c'est vrai que Dieu empêche cela. La ferme. Arrête-moi ces bruits. Écoute, hein. Okoroko et moi, venons de nous promener là-bas. Il faisait que Dieu qu'il t'aimait. À tout moment, il t'aime. Tout le monde t'aime à tout moment. À tout moment, on t'aime. On t'aime toujours. Ah. Allez, tais-toi. Ah. La ferme. Allez, allons. Ah. Allons, allons à l'intérieur. Allons là-bas. Oui, c'est ça. À qui? Oui. Oui, Jess. Je ne pensais plus te revoir. Hey. Joy! Tout simplement, c'est pour vous, tes beaux garçons. Ne penses-tu pas que... Pas de problème. Hein? Tu m'as beaucoup manqué. Hey, je ne sais vraiment quoi dire. Ici, hein? Je sais pourquoi je suis rentré ici. Regarde comment. Depuis que j'ai enseigné, seulement enseigné. Ce n'est pas une chose facile. Oh. Okoro est en train de rater. Oh. Aki, je te rassure, hein, je vais te faire sortir. Tu vas beaucoup aimer. Tu es vraiment dangereux. Oh. Nous allons sortir et tu vas vivre qui je suis. Madame. Hein? Madame. Mes clients, bienvenue. Oh. Bienvenue à vous. Mais qui est ici? Magalo! Magalo! Serge, vous irez boire quoi? Viens ajouter ici. Oui, d'accord. Apporte dépêche-toi. Apporte-nous deux origines. Oui, deux origines. Dépêche-toi, non? D'accord, madame, je suis vite. Hey, madame, madame. Justice, justice. Mon client, bienvenue. Il y a un de nos... que nous cherchons. J'ai oublié son nom, mais on travaillait avec lui là-bas dans l'école catholique. De l'autre côté là-bas. Celui-ci ne provient pas de là. Tu cherches quelqu'un sans connaître son nom. Tu peux connaître la personne, mais le problème est que vous avez oublié son nom. Vous avez oublié son nom, je ne peux plus la reconnaître, n'est-ce pas? Ok, je me suis maintenant rappelé. Oui, son nom c'est Akaraka. Akaraka? Oui. Oui. Vous connaissez? Ah, madame, on le connaît, non? C'est vrai. Si je le vois seulement comme ça, je vais le reconnaître. Donc si tu le vois maintenant, tu vas te rappeler? Tu es sûr? Madame, je te dis que si je le vois seulement comme ça, je vais le reconnaître. Non, ma mère, non, mais... Monsieur Akaraka, arrêtez-vous. Ismoto.
Il est là. Pourquoi cours-tu? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Tout ce que tu dis sera utilisé contre toi devant la cour de justice. Inspecteur, prenez-le. On y va. Bouge. Calme. Bouge. Bouge. Inspecteur, prenez-le. Qu'est-ce que je fais? Bouge. Bouge. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous jure. Je ne sais pas. Je comprends rien. Je vous jure, je comprends rien. Tes yeux en train de regarder. Tu regardais Kara. Vois-tu comment est-ce que il t'a engrossé? Tu es vraiment enceinte. Es-tu au courant? Es-tu tombée enceinte? Je suis pas enceinte. Je sais pas. Tu n'es pas enceinte. Tu n'es pas enceinte. Tais-toi. Tu es enceinte et tu ne fais que nier. Ok? Es-tu enceinte? Mais réponds-moi. Es-tu enceinte? Si je pars, tu vas me frapper. Je vais te taper. Je ressemble à quelqu'un qui tape les gens. Hein? Mais parle! Tu ne veux plus parler? Je vais fermer ton nez. Je vais fermer ta bouche. Écoute, je vais te tuer. Parle. Non. Qui t'a engrossé? Qui t'a engrossé? Voilà. Oh. Oh. Akaraka m'a engrossé. Akara qui? Akaraka. C'est lui que j'aime. Oui. C'est vraiment lui qui t'a engrossé. Donc moi je mourrais pour Akara et Akara mourrait pour toi. Tout ce que je possédais, je le dis toujours à Akara. Je lui ai donné mon argent. Je me suis donné à lui. J'avais pour tout ce que j'avais et je lui avais tout donné. Pour qu'il m'ait aimé. Yeah. Celui-là n'est pas un homme sérieux en amour. Il y a d'autres hommes qui cherchent l'amour. Mais on sait qu'en amour, le roi Singa Siri Koti. Que Dieu te punisse avec Akaraka. Ok. Sais-tu ce que tu dois faire maintenant? Entre là-bas. Prends tout ce qui t'appartient. N'oublie rien. Prends tout. Vas-y maintenant. Entre. Madame, je vais aller où, hein? Si tu me parles encore, je vais te tuer. Madame, aie pitié de moi, non? Hey! Allez, va à l'intérieur. Allez. Écoute. Je vais te faire du mal. Allez, entre là-bas. À Chao. Comme.